coup, on a une nouvelle tenue. Oh, attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ah! Ouais? Elle est. Dégueulasse. Non. On a une nouvelle tenue. Oh, attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ah! Ouais? Elle est. Dégueulasse. Non, je rigole. Non, c'est pas mon style, mais ouais. C'est quoi son pouvoir? Un métal dynamique et semi-liquide qui se cristallise pour envoyer les balles inefficaces contre les snipers. Ah! En gros, ça augmente ma défense. Je m'en fous un peu. Pas vous mentir. Putain, j'aimerais bien avoir cette tenue quand même. Elle est grave stylée. Jetons de défi. Je sais pas comment on fait pour les avoir. Oh, ben, ouais. J'ai voulu. Oh non, j'aime pas les gros. Excusez-moi. Mais dans le jeu, ils sont tellement compliqués à affronter. Je parle que dans le jeu, hein. Attention. Vous faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oh, j'ai repris ça. Oh. J'ai repris sa grenade quand elle était en vol et j'ai même pas fait exprès. Truc de ouf. J'ai repris sa grenade quand elle était en vol. Le pire c'est que j'ai même pas fait exprès. Du coup c'est parti pour la cinématique et je ferme ma bouche. Enfin si l'écran de chargement le veut bien, bien évidemment. C'est parti. Peter, tu vas jamais vouloir me croire. Tu sais, l'adresse que tu m'as donnée, j'y suis allée. Oh, MJ. Je sais, mais attends. Qu'est-ce que c'est? Écoute. C'est l'adresse que Peter a trouvée. Il porte des armes à feu. C'est quoi cet endroit? Oh, c'est parti. Petite énigme à la... Il y avoir un élément en rapport avec lui. À la MJ. Dans ce bureau. Hein? C'était quoi? Encore un qui est né avec deux mains gauches. Je suis sûr que c'est Happy. Encore un qui est né avec deux mains gauches. Ah, je peux faire du bruit là-bas. J'ai failli tuer un rat. Vous pouvez pousser certains. Attendez, attendez, il attendez. Ce type de mon chemin. Martin Lee. On fabrique cette bête de guerre pour lui, Lynx, dans sa nouvelle camion. C'est gagné. Tiens. Ouais, bah tu devrais faire des sous-dions. Allez, chut. Ouais, je vois ça, il va enrager. Il faut que j'entre dans ce bureau. Comment je fais? Ok. Je dois passer par là. Et sinon, il fait quoi le patron avec le blé de Martin Lee? Le greffe dust, mon pote. Tout le pognon va directement dans le greffe dust. Éviter le verre cassé. Ah les bâtards. Ça assez fort. Ok. Merde. Faut que j'aille là. Ok. Du coup je dois pousser ça. De ce côté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'était? Chut. Va mon toutou. Tout en douceur. Tout en douceur, t'inquiète, il te verra pas. Quel genre d'enjeu? Stylé, j'ai kiffé cette mission. Chut. Elle est où? Je suis sûr que je l'avais laissée là. De quoi t'as. Excuse-moi, mettre un petit peu de touche d'humour. Ouais, tu peux pas te barrer, mon gars? Ah, hey, c'est fort ça. Quelqu'un a vu la clé de 12 quelque part? Est-ce que si je vais là. Attendez, faut que. Oh le bâtard, ok j'ai compris. Je viens de comprendre. Attends. Il y a pas pardon. Oh, oh merde. On n'a rien vu. La RT a été. Excusez-moi. On n'a rien vu. On
n'a rien vu du tout. T'inquiète, on n'a rien vu. Ouais, moi aussi, frère, je comprends pas comment il bouge, lui. Ah, ok, je dois passer par là. Hey, quelqu'un a vu la clé de 12 quelque part? Est-ce que je dois me barrer après? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que oui? Depuis quand on a une nouvelle scie sauteuse? Tu m'as pas vu. Voilà, tu m'as pas vu. Ok, c'est bon. C'est quoi ça? Un genre d'équipement militaire? Vous m'avez pas vu, les voilà gars? Le bureau. Il y a beaucoup de monde devant. Oh putain de merde. Comment je fais? Putain, bah c'est tout en douceur. Y'a qu'un mec, hein, on est d'accord? Ok, y'a qu'un mec. Hey, mec. Ouais. Pourquoi le patron tient à ce point à ce qu'on mette des puces GPS partout? Je sais pas, pour moi. Pour protéger la cam. Il veut pas que la recette du grève de se okay. Ouais, non, il est un peu parano. Chut. On te demande pas ton avis. Chut. Au chut. Boulot. Chut. T'as rien vu. Aller chercher du produit. Quand on aura acheté les bidons, semble important. Le patron veut qu'on les balance tout dans le marais avant la semaine prochaine. Pourquoi ça me dit quelque chose? J'ai eu peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Derrière toi, à tous les coups. Non. Putain, elle a quand même des couilles, MJ. Hein. Ah merde, la cinématique, j'ai oublié de... C'est vrai, Eric. Il verra rien. Parce qu'il n'y aura rien à voir. C'est pas vrai! J'ai dit que j'arrangerais ça! T'en as dans le ventre, Rick. Voyons si ça va durer. MDR kilo. Fracture du crâne. Là, c'est plus un doliprane qu'il faut, là. Urgence. Ah, fracture du crâne. Hey, mec, pourquoi t'as une voix de gangster, le mec pas discret? De fou. Je te jure. Fracture du crâne. Et si tu... Et si Tombstone, il me voit, mais je suis tellement dans la merde. C'est bon, c'est bon. Je croyais qu'il avait dit Nani. Ok. Non, tu m'as pas vu, frère, tu... Voilà, tu m'as pas vu, voilà. Tu m'as pas vu, moi. L1. Un VBT. Elle m'a pas vu, frère. C'est ça qu'ils construisent pour Ali. Ah, il m'a pas vu. Mais pourquoi ils auraient besoin d'un véhicule blindé? Il doit bien y avoir autre chose ici. Il m'a pas vu. Heureusement, il m'a pas vu, ouais. Des balises GPS. Comment elle est encore vivante? J'aurais besoin. Ok les gars, on s'arrache. Prenez le matos dans mon bureau. C'est l'heure de partir. Bon, c'est là que je te dis de jamais recommencer, mais je sais que tu m'écouteras pas, alors... Tiens. Emporte ça la prochaine fois. Cool. Merci. Tu le sais que Tombstone est fou et presque invincible, pas vrai? Tout le monde a un point faible. Le mien, c'est... ce que t'es en train de préparer. Ça sent trop bon. Poulet au curry. Y a plus qu'à faire mijoter. Pas de boulettes, j'espère. Tu me laisseras jamais oublier ça, pas vrai? Non. La grande débâcle des boulettes. Quand je pense qu'ils ont évacué tout l'immeuble. Ouais, et en janvier en plus. Tes voisins m'ont détesté. Ouais, ils étaient soulagés quand on a rompu. Ouais. Bon. Parlons de ce que t'as vu dans le bureau de Lee. Ouais. On sait que Lee a une dent contre Norman Osborn. Ouais, mais... pourquoi? Je sais pas encore.
Mais apparemment, il prépare un truc avec le souffle du diable. On va savoir ce que c'est. Ouais. Je ferai des recherches. Dis, je me demandais... Si on faisait équipe. Tu veux être mon acolyte? Genre, la fille araignée? La femme araignée, non, la femme. Pas une acolyte. Une partenaire. Oh. Oh, pas encore! Ah. Hey, c'est ton détecteur de crime. Effraction chez un particulier. Charles Standish. Ça me dit quelque chose. Oh! Le comptable d'Oscorp. Attends. Tu crois que ça a un rapport avec Lee? Désolé de partir comme ça. Tu vas laisser tes fringues par terre, dans la cuisine? Où est-ce que tu veux que... Là, poste-toi sur le canapé. Bon, on se voit plus tard? Ouais.